Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau opus Salmo. On a décidé de changer des temps parce que sur la partie flotte, c'était quand même très compliqué. Les poissons n'étaient pas du tout actifs. On a passé beaucoup de l'heure et rien fonctionné. Donc là, on est parti sur une petite pêche du bord, pareil, sur des petits étangs de Sologne. Donc voilà, j'ai un petit peu light, une épuisette de canne, quelques leurres, salmon, on va vous faire voir ça au fur et à mesure. Puis on va essayer de prendre quelques poissons cet après-midi. Eh bien écoutez, on y va tout de suite parce que l'heure tourne. Allez go, c'est parti les gars. Je sais pas si on va attraper des brochets, mais je crois que des sangliers, il y en a. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle chavé. Ils ont chavé. Bon ben voilà, on va commencer sur ce petit étang là. On va se mettre par là, on va pas être mal. On va essayer ça. Allez. Rattling sting. Donc ça, c'est à débit, c'est suspending. Une fois lancé, on imprime des tractions avec la canne. Pour faire aller le leurre de gauche à droite, on peut faire des petites pauses. Et après, il revenait vers moi après, donc du coup, la touche était vraiment discrète. Bon, c'est pas très gros, mais c'est mignon. Faut faire ça avec une pince, messieurs. Et non avec les doigts. Petit brochet de Sologne. Donc, au rattling sting, comme je disais tout à l'heure, avec des billes et suspending. Voilà. Petit brochet qui va faire un peu plus de 60, pas beaucoup plus. On va pas le mesurer, on va le remettre à l'eau rapidement. Allez. Ouais, du coup, on va poser un petit peu le rattling sting 2 minutes là. On va tenter d'attraper un autre, mais avec un autre leurre, avec le slider, le rattling slider, qui a une sonorité beaucoup plus grave. Et puis voir aussi si c'est l'effet bille qui les fait réagir. S'il faut, on remettra ça après. Alors sur le slider rattling, le but c'est... Oula, attendez, il y a un truc qui a bougé là-bas, on sait jamais. Si des fois on pouvait sortir tout de suite un poisson. Hop là! Je sais pas ce que c'est. Le but c'est d'imprimer aussi des jerks assez amples pour deux raisons. Pour un, que le leurre fasse des grands S de gauche à droite. Et deux, que la bille claque bien pour envoyer un gros bruit. C'était un herbier. Pour envoyer un bruit fort sous l'eau et déclencher une attaque. Petit broc. C'est lui qui chassouillait dans les petits herbiers.
en a plein la bouche de l'herbier, le pauvre vieux. Donc le Rattling Pop a encore fait le taf. Bon, c'est pas un gros, mais par contre il est de belle couleur, dis donc, bien blanc. Donc j'ai vu une petite chasse là-bas, et c'est un petit tapis d'herbier. On est vraiment en queue des temps et j'ai vu une petite chasse, donc je me suis approché. Premier lancer n'était pas top, je devais pas passer vraiment sur la strike zone. Puis le troisième lancer fut le bon. Bon, c'est pas un gros poisson, mais par contre il est très très joli. De très belles couleurs, voilà. Donc en surface, à l'automne, au Rattling Pop. Allez, voilà, c'est parti. Ouh, petit mais nerveux. On va continuer, il y a encore un petit peu de temps en plus. On va essayer d'en faire au moins un, peut-être deux de plus. Et puis bon, ben, comme je disais, pour l'automne, faire roller de surface, c'est marrant, une belle petite attaque sympathique. Je vais même quand même continuer sur la zone. Allez, go, c'est parti, on sait jamais, il peut en avoir un autre. Donc ce petit brochet là, il a mordu sur une animation, on va dire, pas vraiment popper. Plutôt walking the dog, c'est-à-dire avec des mouvements pour faire aller le popper de gauche à droite, mais très rapide. Donc je donne des petits coups de sion très rapides. Ça va plutôt très vite. Et donc là, il n'y a pas vraiment le pop du popper, mais par contre, on a un leurre qui va de gauche à droite, qui brasse de l'eau, les billes qui font du bruit en même temps. C'est plus une animation comme un stick. Et c'est vrai que mes deux premières animations étaient des pop, hein, donc une animation classique au popper, le but faire gicler l'eau et faire ce fameux pop dans l'eau. Et la troisième animation, je me suis dit, bon, on va voir si ça peut réagir autrement. J'ai fait une animation plus rapide et saccadée. Poisson là-bas. Oh purée. À tous les coups, il est venu chasser sur la bordure celui-là aussi. Et je l'ai pas bien fait l'arbre tout à l'heure. Oh, il est beau! Oh, il est beau! Ah, il est beau celui-là! Oh oui, magnifique! Ah, il est correct celui-là! Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, le Walking the Dog là? On a un beau poisson! Yes! Ah! On a bien fait de changer de poste, effectivement, de lieu. On a dit, allez, on tente le tout pour le tout. Voilà, un beau poisson est pris en surface. Grâce à lui, j'ai vu l'attaque. C'est un peu grâce à toi, mon gars. Chercher la pince et puis la réglette, quand même. Celui-là, il mérite une petite mesure. C'est pas le poisson. Hop, là, pensez à mouiller vos réglettes. On l'attend bien. 80. 80, à peine 81. 80, je pense. Bon, bah, il est reparti plus vite. Je voulais le remidifier un petit peu pour faire une dernière photo. Mais voilà, tant pis. J'ai fait la boulette. C'est le jeu. C'est pas grave. C'était un beau poisson. Ça fait plaisir. Bon, allez. Le soleil se lève un peu alors en plus, alors on va quand même continuer, voir si on peut en faire, j'avais dit au moins deux peut-être. Donc on va continuer pour essayer d'en faire un autre. Allez, et encore en surface d'ailleurs, tiens, sur la queue de l'étang là. On repartira sur une autre zone après. Brochet de soleil encore. Allez, un cinquième poisson. Top. Ça fait plaisir toujours, c'est super attaque. Ben voilà, comme tout à l'heure. Voilà. Et ben voilà. Poisson. Ah, je l'ai vu arriver. J'ai annoncé poisson avant de l'avoir. C'était un peu dangereux, c'est des fois on a tendance à les. Ouh, il est bien coffré là.
toujours à ras les bordures. En attaque de surface encore. Voilà. Super. Il est un petit peu maigre celui-là. C'est pas le. Ça va pas être le plus fort du groupe. Mais décidément, c'est un problème chez moi aujourd'hui. C'est une session relâche poisson non anticipée. Eh bien encore au. C'est toi qu'on appelle pot de pêche. Eh, j'ai joué dans les buts à une époque, mais ils m'ont viré après. Je comprends. Bon ben on est revenu sur la zone où on a fait peur hein, tout à l'heure sur la bordure. Donc j'avais pris le chêne en repère là, le petit chêne. Donc on va voir s'il s'est repositionné. Il revient pas. Encore un beau brochet Rattling Pop. On l'a vu, c'est pareil, je l'ai vu arriver, il devait être collé sur la bordure. Moi j'étais bien décalé sur 50 cm de la bordure. J'ai vu le arriver, il a du bord vers le large, magnifique. Magnifique. Alors on a commencé par le Rattling Stick en arrivant. Voilà. Ce petit leurre de 9 cm, suspending, avec une bavette et des billes. Donc ce leurre c'est un jerk minnow. Donc j'ai voulu commencer par ça pour faire la prospection, c'est-à-dire pour essayer déjà de battre un petit peu de terrain pour voir comment réagissaient les poissons. Donc comme vous avez vu, il faut imprimer des coups de canne et le leurre va de gauche à droite et puis les billes font le reste. On peut faire des pauses, le leurre du coup s'arrête, il est suspending, il s'arrête, il descend tout doucement et voilà. Donc le Rattling Stick. Après on a pris un poisson au pike. Ce leurre, c'est un leurre à bavette aussi, type comme un crank, avec une petite bavette. Et surtout, la particularité, c'est l'articulation ici. C'est un leurre silencieux, qui descend pas très profond, à 1 mètre, 1,50 mètre, pas plus. Et l'avantage, tout se joue sur la partie bavette, qui donc va faire bouger la tête comme un crank, et la partie articulée, elle, qui va osciller de gauche à droite. C'est un petit leurre sympa que j'aime beaucoup. Donc celui-là, c'est le pike en 11 cm et il existe en 13. Et enfin, bah, le leurre du jour, hein, quand même, hein, c'est le Rattling Pop, un best-seller maintenant qui vient de sortir, pourtant il n'y a pas très longtemps, de chez Salmo. Voilà, donc c'est un popper avec des billes. Et donc la particularité d'aujourd'hui, bah, je l'ai commencé par popper. Cette partie-là du leurre qui est creusée, faire un bruit particulier qu'on appelle le pop. J'ai commencé avec l'animation traditionnelle, j'ai pas eu de résultat et je suis passé sur une animation walking the dog, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de gauche à droite, type un stick bait. C'était le leurre du jour, c'était l'animation, je pense surtout du jour aussi, qui a joué beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez passé un super moment avec moi. Moi, j'étais très très heureux de cette pêche. J'espère vous revoir très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.